Donc j'en sais deux recoller aujourd'hui, on se retrouve sur Fortnite, Sauver le monde, Save the World. Et normalement vous avez vu la réaction peut-être épique de Mermaid, je sais pas. Parce que là j'ai un code d'ami parce que j'ai acheté. Il faut payer le jeu à 25€. Non, normalement il y a 40€ mais moi j'ai lu en promo. Et donc après il faut upgrade. C'est la montée d'adrénaline. Oh d'adrénaline. Faut upgrade. De toute façon, voilà, j'en suis là et j'ai reçu un code d'ami que je peux donner à quelqu'un. Et Mdermat, je sais qu'il rêve de jouer à ce jeu. C'est un fou du jeu, il fout tellement envie. Mais il peut pas. Donc je vais montrer un peu où j'en suis moi dans le jeu. Je suis vu planche, page 13, 5/13. C'est compliqué comme jeu m'a expliqué, donc faudra que vous jouez. Comme héros, bon, je vous montre ce que j'ai. En principal, je joue soit constructeur, soit ninja. Donc, ce qui m'intéresse le plus, je pense, c'est mes armes, donc ce que j'ai. Et d'ailleurs on va faire un petit pack opening, donc restez. Et puis bon, après regardez, hein, là j'ai un peu plein de trucs. Niveau piège, voilà, bon, je vous montre un peu tout. Vous mettrez les postes si vous voulez. Tac. Voilà, je vais vous montrer les transformations vite fait. Bon voilà, des trucs que vous en foutez, je suis niveau 16. Je montre quand même au cas où certains seraient intéressés, des trucs comme ça. Ensuite, ressources, voilà, donc là vous pouvez voir que j'ai beaucoup de gold. Ticket flocon, bon, j'ai déjà ouvert une dizaine de lamas Noël, donc voilà, je suis assez bien en stuff Noël. Même si je trouve que les armes sont un peu nulles à part celui-là, le lanceur à tube, bref. Donc là j'ai que 1000 V-Bucks, normalement j'en avais 5000 mais j'ai tout dépensé en skin. J'ai acheté un skin, seulement un skin et le pack de saison. Et donc j'ai pu avoir plein de skins, plein de pioches grâce au pass de saison. Car je vais augmenter, je vais avoir du coup chevalier noir si je tryhard. Et ce qui va être le cas. Donc là, art de talent palier, je m'en fais parce que vous vous en foutez aussi. Bref, voilà. Et là, ce qui vous intéresse, butin. Tu me le donnes? Je sais pas. Ouais, je veux bien. Bah, c'est pour jouer avec toi. Code de pack de fondateur, code d'amis de pack de fondateur gratuit. Copiez le lien. Tu me l'envoies sur mon PC. Mais moi, je préfère. J'ai pu te l'envoyer sur ton PC, sur Skype, le lien. J'irai voir, mais. Ah non, je sais que c'est ton. C'est le truc qui fait. Ouvre l'envie vidéo, non ? Pirate ton. Truc. Alors voilà, en fait les gars, je vous explique. Yannarat, il me croit pas en fait. Il me croit pas que je vais lui donner le code. Il croit que je vais donner un fake, genre un screamer ou un truc comme ça. Et du coup il me croit pas, du coup il a rien flippé, il veut pas ouvrir le lien. Alors que pourtant sur le lien c'est marqué Epic Game Code, bah code de tout le monde. Mais bon, c'est pas grave, t'inquiète. Pourquoi tu... Bon, je vais ouvrir le lien, voir si c'est pas un truc genre ah ton PC est piraté. Ça sent le vécu. Oh. Adieu. Télécharger Steam pour avoir des jeux gratuits. Bravo! Tout le monde là en 2017 à partout, mec. Je pourrais avoir des skins. Du coup, oui, tu pourras avoir des skins sur Battle Royale, Mdermat, parce que en farmant les V-Bucks. Ça va être gratuit en 2018. Oui, en décembre aussi. Et j'avais la flemme d'attendre, mais que dans un an, tout le monde. Le jeu il sera peut-être déjà mort, tu sais rien. Enfin, après, tu me diras, Overwatch, c'est le jeu où tout le monde disait, ouais, dans un an, laisse tomber, achète pas le jeu, dans un an, il est mort. Et pourtant, ça fait au moins 4 ans et j'y joue toujours et tout le monde y joue. Hein. Comme HZ1, lui c'était un jeu, il a pas duré longtemps. C'est nickel le jeu, vraiment. Mais t'es con, tu m'as juste mis le lien de Fortnite. Ça me met un code, j'en fais quoi? Ils mettent échanger un code. Là il y a écrit le code en plein milieu, il y a mis échanger. Bah ouais, tu fais échanger. Oui voilà, pack de fondateur, vas-y. Activé. Fais ok. Oh mec, c'est trop sympa, merci. Moi pourrais jouer. Trop bien mec. Pourquoi il me propose des cookies? T'as faim? Ton avis de la terre, il te demande des cookies. D'ailleurs, moi, tu me croyais. Oh, tout ma base, elle est pétée, voilà, dim. Par contre, mec, tout ce que tu récoltes et tout, tu me les donnes. Hein. Donc... Ah bah, l'argent. Genre, tout ce que tu gagnes, les armes trop cheatées et tout, tu me les donnes. Hein. Genre, ouais, en fait, genre, je vais dans mes options. Et là, j'ai vraiment un truc, c'est marqué ici. Supprimer le compte. Et genre, en fait, je peux supprimer ton compte. Vu que c'est moi qui te l'ai acheté, en fait. Vu que c'est moi qui l'ai. Je peux supprimer ton compte. Donc, si tu me fais pas chier, bah. Mais tu peux pas, t'es con. Hein. C'est juste, tu m'as donné un code. J'ai terminé ma base, j'ai gagné. Donc voilà. Et là, ce qui vous intéresse, butin. Bon, du coup, vu que j'ai acheté, j'en ai 5 gratuits. Donc on va les ouvrir. Donc, j'ai au moins un objet rare. Confirmé. Et donc, c'est parti. On va les ouvrir. C'est parti, premier. Et non, lui, du coup, il s'est pas mis en épique. Du coup, j'aurai que des rares. J'aurai pas d'épique, normalement, je pense. À moins que j'ai la chance. Je ne sais pas, en fait, je connais pas vraiment le système. Voilà, j'en ai pas eu. Donc, on passe au prochain. On va le casser. Donc là on peut accélérer en faisant coup de gauche, hein, mais je vais pas le faire. Voilà. Donc là encore du rare. Les tickets c'est cool, hein, parce que du coup là je vais pouvoir peut-être en vidéo prendre un nouveau lama. J'ai eu une légendaire et c'est les apôtres. Donc voilà, là il est argent. Donc je vais gagner un épique. Donc qu'est-ce qu'on va gagner en épique? J'espère pas un héros, une arme ou alors un piège, ce serait cool.
Et les pics, est-ce que j'aurai le choix? Eh oui, j'ai le choix. Ah, ça, c'est trop, c'est hyper nice quand t'as le choix. Un soldat ou un aventurier? Ah, j'ai eu un héros. Un peu de deck. Bon, aventurier, j'ai vraiment testé aventurier. Soldat, j'ai envie de dire, mais bon. Donc, je prends l'aventurier et c'est Jess Prospectrice. Oh, putain. Ah, bah, du coup, voilà. Comme je vous l'ai dit, je peux m'acheter un lama de survie. Donc, on va le faire maintenant. Donc, les lamas de Noël, voilà, je vous montre comment ça se passe. Même si j'en ai ouvert des dizaines. Donc, t'as des objets de Noël là-dedans. Voilà, c'est simple, t'en as au moins un. On prie pour la légendaire parce que normalement t'as obligatoirement une épique, mais t'as une légendaire peut-être lancée à tube, ça c'est cool, je l'avais pas. La petite légendaire. Ah non, dommage, bon tant pis. C'est pas grave, du coup on a eu un survivant épique, un lance à tube que je vais tester même si j'aime pas les armes vraiment au corps à corps. C'est pas grave. Ah, donc c'était une petite vidéo comme ça, tranquille comme je dis souvent, pour vous voyez la réaction d'Ami d'Armade, pour que je vous montre un peu les loot du truc, les loot quand vous achetez l'avant-dernier. Et faut savoir, j'ai eu un autre lama en vent qui était en gold, et dedans j'ai gagné, dans Arsenal j'ai gagné le Zapotron, plus le petit arme, le révolteur de fondateur. Donc voilà, à mon avis, révolteur de fondateur, c'est absolument sûr certain que vous l'avez. Donc je vais le tester, je l'ai un peu up pour le tester. Du coup, je vous laisse, n'hésitez pas à like si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si vous voulez suivre mes autres contenus, vu que je reprends, c'est génial, vous pouvez tous vous abonner, et je vais refaire plein de vidéos, et plus il y a d'abonnés, plus ça va me donner envie, ça faut le savoir, et n'hésitez pas, je me répète, on s'en fout, allez, ciao.